Je suis sûrement endormi ici. Hein. C'est vrai que j'ai plus pas mal. Le mystérieux étranger, c'est comment atteindre des terres lointaines. Regorgeant l'or et l'aventure de Shorebreaker. C'est quoi ça? Do well to heed my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow in the footsteps of the greatest pirate who ever lived, then take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. D'accord. Journal du Seigneur de la Piraterie. Du Seigneur de la Piraterie. Waouh. Du vrai de vrai. Waouh. Enquête du Shorebreaker. 9e été en mer de Sifteve. Enquête de légende. Nouveau voyage. Nouveau journal. The Shore of Gold. Le grand secret. Une île de trésors. Englouti par le Devil Fool. Les anciens traversaient la brume pour explorer d'autres îles. Dissipe le shore. Brise l'âme. Brise brume. Shorebreaker. Les anciennes îles ont encore des secrets. Départ ici. Les artefacts des anciens, trouvés après quelques jours d'exploration, très vieux coffre comme neuf, un totem dedans, un totem animal. Pas une simple statue, une clé. La clé du Shorebreaker. Naviguez jusqu'au lieu secret, utilisez le totem, prendre le Shorebreaker, bois Shore of Gold, buvez. Guet-apens. Le Burning Blade nous cherche. Pas le poids face à ces canons de l'enfer. J'ai choisi. Je saute à l'eau avec le coffre. On le retrouvera grâce au journal de bord. Personne d'autre ne l'aura. Nous allons les attirer vers les Weald, loin du coffre. Nous avons fait face sur une île plate. Inconnu. Les colonnes tordues de Crookenmass à la proue, Crookshaller à la poupe. Mon Magpie's Wing, perdu et avec lui mon rêve d'atteindre les Shore of Gold. Le journal d'abord a coulé avec le navire sans rien possible. D'obtenir le coffre. Quelqu'un d'autre risque de trouver le Shorebreaker. Mm-hmm.
Crooked Mass à la proue. Crooked Solar à la proue. Ici c'est les voiles, quatre à l'île inconnue. Crooked Mass, Crooked Solar. Je ne connais pas celle-là. C'était ce qu'il dit. Ce qu'il disait. Donc à la proue c'est Crooked Mass, puis la pop c'est Crooked Solar. Ça c'est leur navire et coulé ici. Donc ça il pourrait bien être. Serait-ce le navire que je cherche? Magpie's Wing. Oui. C'est BB, c'est navire. Que ça? C'est le journal. Mike P. Wing, journal de bord. Oh, j'ai son journal. Je vais pouvoir trouver la, le showbreaker. Yuppie. Heure de Mike P. Wing. L'été, l'encre. Au sud, jetez l'angle au sud de Thief Haven. Le capitaine est à la terre. Le Burning Blade. Nous fuyons vers le nord-est. Il nous prend chasse. Laissez des îles minuscules sur tribord. Cap sur le nord-nord-est. Contournez l'île. Une île fortifiée. Cap à l'est, à l'ouest-sud-ouest. Jetez le coffre par-dessus bord, au nord, recette d'une île plate. On file vers le nord. Le Burning Blade remonte, il sera bientôt sur nous. Ils s'en vont à Thief Haven. Nous fuyons vers le nord-est. Il nous prend chasse. Vers le nord-est. Laissez des îles minuscules sur tribord. Cap sur le nord, au nord-est. Îles minuscules, nord-est. Contournez une île fortifiée. Cap à ouest, sud-ouest. Ouest, sud-ouest. Jetez le coffre par-dessus bord, au nord-est d'une île plate. On file vers le nord. On est au nord-est. Serait-ce le coffre qui ont jeté par-dessus bord? Oui, un coffre.
Voyons voir ce qui contient ce coffre. Oh, c'est quoi ça? Totem de sanglier. C'est-il? Quel est? Oh, j'ai pas mis de temps à paille. Vite. Une chaloupe. En cherchant où était l'endroit, j'ai pas mis de temps à paille. Je pense que je me sortis de la temps à paille. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'ici? Une belle journée enfin. J'ai pu documenter mes conclusions avant de tout oublier. Ramsay réfléchit encore et ça veut dire que c'est moi qui vais avoir droit aux migraines. Il m'a fait venir tard hier. Mercia, comment survivre au Devil Shore? Je l'ai regardé perplexe. Tout le monde sait à quel point la brune est dangereuse. Le shore entoure les mers de Siftive. Mais il va et il vient parfois. Il absorbe une île. Des mois, voire des années durant. Quand vous vous aventurez dans le shore, vous étouffez, la coque éclate sous vos pieds, il se nourrit des navires et des marins sans distinction. Fidèle à moi-même, j'ai dit à Ramsay que je trouverais un moyen. J'ai caché mes notes sur Ancient Spear. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, Ancient Spear! Il faut que j'aille en s'inspire, là on passe. Bon, alors, enfin arrivé. Le livre, oui. Ça vous est déjà arrivé de chercher si fort quelque chose que vous ne le voyez pas, juste devant votre nid? Les vérités fonctionnent comme ça parfois. En me servant un grog dans la cale, j'ai regardé sur la carte et j'ai vu Ancien Spear dans les anciennes Halles. J'ai vu la vérité. On met le cap sur Devil Ridge. Si j'ai raison, alors la clé du Devil Ford se trouvait peut-être sous mon nez depuis le début. On aime croire que nous autres pirates comme les premiers à explorer les mers de Siftive, mais nous sommes loin de la vérité. Allons à Devil Ridge. Enfin, Devil Ridge. Les pionniers, les tribus perdues, les anciens, quel que soit leur nom, ils ont vécu avant nous sur les mers qui portent le nom de Siftive. On trouve partout des traces de cette antique civilisation, même sur les îles qui étaient encore récemment prisonnières du Devil Shore. Ils ont construit des temples.
des hôtels. Quand la brume du Shard s'est abattue sur eux, ils n'avaient nulle part où aller. Je vais devoir consulter l'ancienne note que j'ai laissée à Tiefhaven. Notre première planque, j'en suis presque nostalgique. Tiefhaven. Ah, un livre. Il existe. La preuve est là. Dans un lieu obscur, Ramsès m'interdit de lire ou même cette relique est réelle. D'après ce que j'ai compris, l'artefact servait de bouclier et était destiné à protéger leur village et leur lieu de culte des effets du Shul. Parfois, l'artefact était remis dans une cache où il gagnait en puissance. Ramsès m'a dit, ça brise la brume. C'est un Shorebreaker. Il semble confiant. Ramsay est décidé de mettre le cap sur l'avant-poste Plunder pour aller discuter d'une carte avec un inconnu. Alors, Plunder. Ça s'emballe. Ramsay s'est souvenu des racontats aviné d'un vieux loup de mer qui avait frôlé le début chaud d'un peu trop près. La vieille personne dit avoir aperçu une île qui brillait au loin. Elle serait constituée de joyaux et d'or. Les Shores of Gold, a-t-il ajouté. Ça me semble impossible, mais selon Ramsay, l'impossible, c'est simplement ce que l'on ne connaît pas encore. Au point du jour, nous partons en quête du Shorebreaker. Si ces Shores of Gold sont réels, il nous le faudra pour y parvenir. Je vais retrouver ma couche pour dormir un peu. Le suite sera compté dans le journal de bord de Ramsay, j'imagine. C'est un piège. Oh, l'eau commence à monter. Oh non. D'accord.
Oh, les squelettes. Voilà. Great Ramsay's ghost. I heard all the stories, but to actually hold the Shroudbreaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be four jewels set in the base that grant the Shroudbreaker its power. But they've been removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them. Strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so, but you... You are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, skeleton lords are not to be taken lightly.